Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 16 novembre 2022. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Et le plus fort est celui que je nourris le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé à l'endroit porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Waouh, waouh, waouh! C'est un nouveau commencement, n'est-ce pas, pour certains d'entre vous dans votre vie personnelle. Alors, cette carte, elle annonce un changement, pardon, positif. Et cette magnifique porte que vous pouvez voir hein, sur la carte, emplie de lumière qui s'ouvre cette porte sur une source luxuriante, éclairée par, regardez, par ce bel arc-en-ciel, et en plus avec des lotus aux couleurs éclatantes. J'adore les arcs-en-ciel. Pour certains d'entre vous, eh bien, que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, et ça peut être par exemple à vous débarrasser d'une dépendance, et ça peut être une dépendance de nourriture, de médicaments, de drogue, de cigarettes, d'alcool, ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, par exemple comme de trouver un nouvel endroit pour vivre, un nouveau logement. Ça peut être dans une commune différente, dans un département différent. Peut-être, pourquoi pas, changer, si vous habitez un appartement, que vous regardiez pour une maison ou vice-versa, n'est-ce pas? Ça peut être aussi un changement de pays. Eh bien, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Tout ça parce que vous avez fait ce travail en vous. Vous êtes prête à vous ouvrir. Vous avez laissé, par le travail que vous avez fait, vous avez laissé le passé derrière vous. C'est quelque chose de magnifique pour celles et ceux dont ça parle. Eh bien, vous allez être récompensé du travail, du lâcher prise que vous avez fait, de ce travail au point de vue de la dépendance. Ça peut être aussi de la dépendance affective, n'est-ce pas? Parce que c'est une, évidemment, être dépendant affectivement, eh bien c'est une distorsion et on est très malheureux. Et vous avez peut-être fait ce travail-là. En tous les cas, si ça vous parle, je vous en félicite parce que je pense que ça n'a pas été simple pour vous. De vous débarrasser, de faire ce travail en vous. Mais cette carte, elle vient vous dire que voilà, ce qui est derrière vous est derrière vous. Et maintenant, vous ouvrez une porte où il y a cette belle lumière, cet arc-en-ciel. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. En tous les cas, les changements que vous avez apportés sur vous sont sur le point de donner vraiment, vraiment, vraiment de merveilleux résultats. Alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. Vous savez, l'optimisme, c'est quelque chose on peut remédier, on peut y travailler, parce que le pessimiste, de toute façon, le pessimisme, oui, ok, quand on est pessimiste, est-ce que la situation change? Non, ben non. Est-ce qu'elle s'améliore? Ben non.
Non. Et vous restez dans cet état fermé. Par contre, si vous êtes optimiste, eh bien là, l'optimiste attire la lumière. Et évidemment, puisque vous êtes optimiste, vous reflétez ce que vous êtes à l'intérieur. Eh bien, la lumière va venir vers vous. Les personnes vont venir vers vous. Cela va changer, je ne dis pas dans l'immédiat, parce que là-haut, il n'y a pas le temps, il n'y a pas de date. Mais soyez optimiste, parce que de toute façon, avec le pessimiste, eh bien, l'amélioration ne se fait pas. Donc, restez dans ce noir, dans ce contexte vibratoire négatif, ça ne vous apporte rien. Eh bien, voilà une très, très, très jolie carte, n'est-ce pas? Et comme affirmation, je suis fort et concentré, j'agis par moi-même, j'ai le pouvoir de créer de merveilleuses nouvelles réalités dans ma vie. Mais oui, vous avez le pouvoir, tout le monde a le pouvoir, il faut le vouloir, vraiment, soyez ouverts, et on viendra à vous, de belles choses arriveront à vous. Allez, je termine, voilà, je vais piger une carte message de ton âme. Récolter. Regardez un peu quelle belle synchronicité. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Mais regardez un peu quelle belle synchronicité, dites. Waouh, voilà, récoltez ce que vous avez semé. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse. Mettez un pouce, ça permet à l'algorithme de faire connaître ma chaîne sur YouTube. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. À demain. Thank you.